Ma soeur, je mange un bitacola. Je mange un bitacola. Je lisais. Mon Jean Sandoz, hein, regardez seulement. Regardez comment mon Jean Sandoz. Je suis ta moitié, tu es ma moitié. Il n'y a pas les effets secondaires dans un bitacola. Je te donnerai, tu me l'as, amour. Et moi c'est collé, toi et moi c'est collé. Le gars bah ça boule là, toi et moi c'est collé. Regardez comment mon Jean Sandoz. C'est seulement hier que j'ai fait, j'ai frotté aujourd'hui seulement. J'aime le gars bah ça boule là comme pas possible. Les bassins m'ont colonisé. Mon Jean Sandoz, c'est pas les bacs radio. Tout ce qui brille n'est pas or. Quand on enlève les bouteilles, machin qu'on fabrique partout là, ici en Beng, le contenu là, c'est ça. En direct. Et j'ai fait. C'est hier que j'ai fabriqué. Hein. Regardez seulement. Moi, je suis Wanda, je suis dépassée. Bonjour Marie MT. Bonjour. Et. J'ai publié qu'on ne vous trompe plus. J'aime le gars, bah ça la compte pas possible. Ouh, mon choix est fait. Bébé. Merci pour.
pour les cœurs, merci. Merci pour les cœurs. J'ai fait la composition hier, regardez-moi aujourd'hui. Je suis en direct, hein. Oui, dans ma dîner, je suis ta moitié, tu es ma moitié. Moi, je donne l'eau et si tu donnes de l'eau. Je suis ta moitié, tu es ma moitié. Je te fais amour et si tu me dis amour. Je te fais amour et si tu me dis amour. Je te fais amour et si tu me dis amour. Aïe, tu es mon bébé. Jamais, jamais, on va se séparer. Papa dit oui. Bonsoir, bonsoir. Je tenais à faire un petit direct ce dimanche sur les histoires de Ndiang Sang qui se passent sur la toile. Je vais prononcer les noms. Non. Je me suis levée il y a un an pour faire la publicité de Mabéa. Moi-même, il y a un an. Parce que j'ai deux de mes clientes. Deux de mes clientes qui ont acheté des produits chez elles et qui étaient hyper satisfaites. Il y a une qui m'a dit, Marc, je peux pas t'envoyer l'argent pour mon sac aujourd'hui parce que mon produit est fini. J'achète des produits chez ma belle, il faut que j'envoie l'argent. Tellement son teint était bien. Était clair. Était soigné. Ma belle ne m'a jamais contacté pour faire sa publicité. Ce sont mes proches à moi qui utilise ces produits et ça marche. Je lui ai envoyé une cliente qui sont venues vers moi et qui était très contente. Les produits de Mama Béa, de Fleur de Lille et tout ce monde-là, ce sont les produits que j'ai publiés hier sur Facebook. Ce sont les mêmes produits que tout le monde utilise au Cameroun. Les mêmes produits que Fayel, que tout le Cameroun connaît. Utilise, mais par contre Fael, il mettait les tubes dans ses produits et ça faisait sortir la date au corps. J'ai décidé moi-même seule de faire la publicité de ma belle, personne ne m'envoie, elle et moi, je suis pas une femme à Congo, ça, j'ai pas le temps, je reçois les milliers de coups de fil par jour. Il y a des personnes que je dis que je n'ai pas envie de parler parce que ma tête chauffe, je suis stressée du travail. Le Ndiang Sang, ce n'est pas mon truc, c'est pas mon business. J'aime le business qui gagne gros. Le Ndiang Sang, ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Moi, je parle à milliers, à dizaines de milliers d'euros. Le Ndiang Sang, ce n'est pas mon truc. Mais je sais comment ça se passe. Quand je veux un truc au Cameroun, je l'obtiens. J'ai payé 200 000 pour obtenir la composition. Depuis je suis rentré du Cameroun au mois de mars, le 6 mars. J'ai fait une petite composition pour ne pas trop être clair de peau. Parce que ça dépend de la peau que tu veux, le teint que tu veux. Le petit tube noir que vous avez vu hier, là, c'est ça qui donne tout. C'est ça qui donne. C'est ce produit, quand vous entendez que Malam dit que je lui dois l'argent. J'ai demandé à Malam d'aller m'acheter ce produit parce que ça coûte le tout. Toute la composition coûte 18 500. Toutes. Ça coûte pas cher. Je lui ai juste envoyé la photo. J'ai dit, Malam, vous m'achetez ce produit parce que j'étais à l'église, je n'avais pas le temps et je voyageais. Je voyageais le lendemain.
Je lui ai dit, je lui envoie la photo, j'ai filmé les produits, je lui ai dit, va m'acheter ça. Arrivé ensuite, je te renvoie l'argent. C'était 18 500. 18 000, ça coûte 18 500. Tous les produits que je vous ai montrés hier, là, ça coûte pas cher. Les produits qu'on vous vend, la bouteille, à 200 euros, 300 euros, ça coûte pas cher. Attends, attendez, je vous montre. J'ai fait une composition hier. Voilà mon frigo. Le reste, j'ai conservé au frigo, hein. Voilà. Le reste se conserve au frigo. Et celui que je frotte est dans la salle de bain. Donc, elle dit qu'on s'y dit à la BA parce qu'elle a fait un complot avec moi pour détruire le commerce de Flore. Est-ce que je savais que Flo fait le genre ça? Je fais la publicité de mon abeille depuis plus d'un an aujourd'hui. Je tague son nom, ma abeille, avant le bon genre ça. Parce que je connais les produits qu'elle utilise. Je connais les produits qu'elle utilise. Je dis, ma abeille, fait le bon genre ça. Je suis allé filmer chez Fayel pour montrer. Maintenant, vous désactivez ses comptes parce que, soi-disant, Flo, c'est Flo. Flo est qui même? Sur Facebook. Mais dis donc, il faut arrêter des conneries. Et c'est qu'on se respecte, elle et moi. Mais il ne faut pas pousser le bouchon très loin. Flore représente la marque de London. C'est pas ses produits. Elle-même ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Flore ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ses produits. Elle a signé un contrat comme Nathalie Nkou avait fait avec Anouchka ou c'est quoi au Cameroun là-bas pour représenter la marque. C'est pas Flo qui a fabriqué ça. Je suis dans le marketing, je suis commercial, j'ai fait des études de marketing au Gabon. J'ai un diplôme en marketing. Ne me poussez pas à détester cette femme alors que depuis là j'évite. Vous, c'est à l'école, ma belle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Si vous me suivez vraiment depuis, je fais la publicité de ma belle. Vous êtes qui sur Facebook? C'est vous qui avez inventé Facebook? C'est Flo qui a inventé Facebook? Elle est qui? Mais il faut arrêter. Depuis que Flo utilise les produits de Mabéa, elle lui a demandé le rissou d'un jour. Flo de Lille, c'est qui? C'est une femme comme tout le monde. Qui s'est fait une image de Facebook? Mais faut pas abuser, faut pas dire que c'est Flo qui ne neuf de Facebook, de neuf de Facebook de mes fesses, oui. Ma belle ne m'a jamais envoyé faire la publicité de ses produits, jamais. C'est moi-même qui me lève, je fais ce que je veux. Et même des fois, les gens me demandent, publie ça, je publie pas. Quand je trouve pas bon, je publie pas. Je fais ce que je veux sur mes murs, j'en ai 4 sur Facebook. Je n'ai rien contre Flore. Elle et moi, on n'a pas de problème. On ne discute rien. Mais il faut arrêter. Vous, ces faux profils-là, ne poussez pas le bouchon très loin. Parce que ça va quitter du virtuel, ça va aller loin. Si Flore représente une marque de produits, nous savons dans le commerce, dans le domaine commercial, dans le domaine du marketing, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Flo ne sait pas ce qui est composé dans ses produits. Édition Flo de Lille, ça ne veut pas dire que c'est Flo qui a fabriqué. Vous, c'est Mouton qui la suivait là. Ce ne sont pas les produits de Flo. Elle a signé un contrat avec celle de Londres pour représenter ses produits et elle prend une marge.
Le nombre de produits qu'elle va vendre, elle sera payée par rapport à ça. Flo-même n'est pas au courant de ce qui est à l'intérieur des produits. Et ce que j'ai publié hier, ce sont des produits que toutes ces femmes-là utilisent. Ce que j'ai publié hier comme produit, ce sont les mêmes. Allez au Cameroun, partout dans toutes les parfumeries. Tous ceux qui vendent le Jansan, ce sont ces produits qu'elles utilisent. Mais elles fabriquent juste leur comment on appelle, leur bouteille et leur truc. C'est tout. Il n'y a pas de magie autre à ça. Le blanc ne fabrique pas le thé métis. Tout ça vient de Nigeria ou du Cameroun. Que Flo va venir interdire qu'une femme qui vend le Jansan depuis plus d'un an aujourd'hui, parce qu'elle aussi s'est levée pour représenter une marque qui la paye. Nathalie Kouaï fait la même chose. Hein. Et je vous affirme, je n'ai jamais rien parlé avec cette femme, Mama Béa. Elle a acheté un sac chez moi dernièrement. J'ai dit merci, comme j'ai dit merci aux clientes que je peux. Je n'expose pas toutes mes clientes, parce que vraiment, il y a la confidentialité dans ce que je fais. Mais j'ai dit merci à ma mère parce que je lui ai envoyé mes copines, mes clientes, et qui sont contentes. Si elles n'étaient pas contentes, j'allais dénoncer ça. Vous allez jusqu'à désactiver les comptes Facebook d'une femme qui se débrouille. Mais il faut arrêter, Flore. Arrête ton massacre sur Facebook. Là, vraiment, tu vas me pousser à bout. Fais un direct, dis à tes faux profits d'arrêter. Tu as encouragé ma lame, une escroc qui escroquait les femmes. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Je vais commencer à avouer que tu es vraiment une racaille qui encourage tout ce qui n'est pas bon sur Facebook. Soigne ton image, Flore. Tu sais que moi, j'ai pas peur de toi. Hein? On se connaît. J'ai pas peur de toi. Et je ne prononce pas ton nom parce que je vais le vu. J'en ai pas besoin. Je vous ai dit mon nom seul, Chopard. C'est un nom suisse reconnu mondialement. Ça fait vendre. Mon nom seul, Chopard, fait vendre. J'ai même pas besoin de nom de Flore, de quoi, ma chaîne, de mes fesses. Parce que moi, je ne te vois pas. Tous tes faux profits sont les personnes qui vivent au pays. Dernièrement, tes deux PD ont publié ma photo, mais je n'ai rien dit. Tu as encouragé. Tu as partagé sur ton mur. Flore, je n'ai pas envie de me poser sur toi. Évite ça. Ça sera un combat de titans. Tu as 1 million de vues sur Facebook. J'ai 2. Mais je te bats les retours sur Facebook. Parce que je suis lu par de vraies personnes. Même tes fans, des vrais fans qui t'encouragent, je peux les détourner de toi. Parce que je suis une femme responsable. Je suis une responsable. Je suis une femme posée. Arrête avec Mama Béa. Elle et moi ne se connaît pas. Elle a acheté un sac chez moi, c'est tout. C'est tout. Comme tu as acheté les robes aussi chez moi avant. Elle a acheté un sac chez moi. Ma grand-sœur a voyagé l'autre jour. Elle a amené son sac. C'est mon fils qui a pris cet argent-là. Je n'ai jamais vu Mama Béa, monsieur. Je peux m'acheter les produits de Mama Béa, j'envoie une autre personne. Parce que moi, on ne me voit pas facilement. Si je veux même ton radiant, ma chaîne, là, je vais envoyer une autre personne acheter. Pour le tester. Je ne m'affiche pas n'importe comment sur les réseaux sociaux. Si je veux un produit que je vais tester, je vais envoyer une tierce personne. La personne va acheter pour tester si ça marche. Donc arrête. Ma mère ne m'a jamais envoyé faire quoi que ce soit pour te nuire. Et pourquoi tu as peur de moi? Tu as 10 millions de vues. Tu as 10 millions de vues. Mais dans l'indème, moi j'ai 100 vues. Dans le vrai commercial, ce qu'on appelle commerce là, viens, je t'apprends. Ça, je te fais asseoir, je t'apprends comment faire le commerce.
sur Facebook, dans le virtuel, même pas dans les clashs, mais dans le virtuel. Je suis la numéro une. Ok? Voilà. C'était mon coup de gueule ce dimanche parce que je l'en avais.